Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Thierry-Samuel Patrick, graphic designer. Bienvenue sur ma chaîne consacrée à Adobe Photoshop. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment réaliser une affiche de type événementiel avec le logiciel Adobe Photoshop CC 2022, simplement et facilement pour tous les niveaux. Déjà, vous, nouveaux visiteurs, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications afin de voir toutes nos vidéos à sortie. Vous, déjà abonnés, likez les vidéos, partagez-les pour le référencement. Merci pour le soutien. Merci, c'est grâce à vous que nous avançons ensemble. Place maintenant à notre vidéo de formation. Déjà, vous lancez votre éditeur Photoshop. Une fois fait, vous allez créer un nouveau document. Vous allez prendre une largeur de 1300 par une hauteur de 1300, comme ceci. Ou nous allons prendre 10 sur 10 cm. Je préfère 10 cm sur 10, désolé. Nous allons appeler affiche event. Donc, event. Et vous allez cliquer sur le bouton créer, comme ceci. Vous patientez le temps que s'ouvre votre document. Une fois votre document ouvert, vous donc cliquez comme ceci sur le tupon, comme ceci, afin de voir la taille réelle de votre document. Une fois fait, nous allons par la suite ajouter nos différentes images avec lesquelles nous allons travailler. Au passage, je vous mettrai en description sous la vidéo les liens des images et la texture utilisée également. De ce fait, je vais dans mes dossiers sélectionner mon image. Contrôle A sur mes deux images, puis je vais l'ouvrir dans mon plan de travail. Une fois fait comme ceci, je vais commencer déjà par détourer mon image, sélectionner l'image, puis sélection du sujet comme ceci. Et vous faites la sélection du sujet, vous patientez le temps que la sélection soit faite. Alors, je vais ajuster ma sélection comme ceci. Venez sur l'outil sélection. Comme ceci. Puis, vous dupliquez le cadre en faisant CTRL-J. Voilà. Et par la suite, je vais glisser déposer ma texture dans mon plan de travail comme ceci. Une fois fait, je vais faire CTRL T sur ma texture. Puis je vais jouer sur la taille, la largeur et la hauteur comme ceci. Je valide avec la touche Entrée. Je vais par la suite ajouter un dégradé. Au-dessus.
Une fois fait, vous allez tirer sur le calque comme ceci. Du haut vers le bas comme ceci. Puis ouvrez le nez avec la touche entrée. Et par la suite, nous allons cliquer sur notre image et changer de mode. Vous allez à présent glisser et déposer votre image comme ceci. CTRL-T sur l'image. Nous allons réduire la largeur et la hauteur de votre image dans l'ensemble comme ceci. Réduire la taille par la suite. Une fois fait, vous réduisez la taille et vous allez réduire l'opacité de votre image. D'abord, vous allez dupliquer l'image. CTRL-T sur l'image, réduire dans l'ensemble. Validez avec la touche entrée, vous vous positionnez en premier plan, comme ceci. Nous allons déplacer par la suite notre image, comme ceci. CTRL-T sur l'image. Vous allez avec la touche entrée, vous changez le mode de l'image. En incrustation, puis vous allez dans Images, Réglages. Nous allons mettre notre image. Sous un contraste. Désolé, nous allons aller sur notre image, puis réglage et teinte et saturation. Nous allons cliquer sur cette paume comme ceci et jouer sur la teinte et la saturation de notre image comme ceci. À nouveau, comme ceci, et vous validez avec la touche Entrée. Une fois fait, nous allons réduire la taille de notre affiche. Jouer sur la taille comme ceci. Valider avec la touche Entrée, entrer et ajouter un masque de fusion. Puis positionnez-vous ou tirez du bas vers le haut comme ceci. Désolé. Nous allons changer. Nous allons passer en mode noir et blanc. Comme ceci. Noir et blanc. Valider avec la touche Entrée comme ceci. Une fois fait, vous appliquez comme ceci. Vous tirez. Vous tirez à nouveau. Vous validez et vous montez votre image légèrement comme ceci. Une fois fait, vous dupliquez sur le petit pouce, comme ceci. Vous allez supprimer cette image car nous n'en avons plus besoin. Également, vous allez supprimer celle-ci, nous n'en avons plus besoin. Là, à présent, nous allons ajouter une broche. Vous positionnez entre les lettres, tout simplement, et écrit. Sélectionnez le petit texte.
réduire la taille déjà à 50. Choisissez regard comme ceci. Avec du blanc à l'intérieur. On va aligner comme ceci. Changer la police DCM. DCC, désolé, DCC. Agrandir la taille. Valider avec la touche entrée. Une fois fait, changer le mode. Comme ceci. Nous allons réduire la taille comme ceci. Déplacer notre texte comme ceci en mettant Regarde Afrique. Comme ceci. Un texte à nouveau d'Afrique. Des majuscules, des minuscules déjà. Comme ceci. Nous allons prendre la police Shell. Réduire la taille à 30. Réduire à nouveau. Autographe. Agrandir la taille. Comme ceci. Contrôle T dans la salle réduit la taille. Pour la suite, ajoutez vos différents tests juste en dessous, comme ceci. Réduire la taille 10. Valider avec la touche entrée comme ceci. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pris plaisir à réaliser cette vidéo avec moi et que vous reproduisez ce test chez vous à la maison. Merci et au prochain tutoriel de Tu sais, Patrick pour vos services.